Moi, saluer tout le monde et encore une fois, bienvenue dans la série ça que nous gagnons. Donc, moi, j'ai une question. Aujourd'hui, moi, j'ai un ensemble de questions et que et moi, pour laisser répondre. Et toutes questions extrêmement intéressantes. Et sans plus tarder, on va commencer. Première question que moi, j'ai, c'est Sarah Jane Rameau qui dit que est-ce que nous pas créer l'idée, bon Dieu, pour éviter que nous pas déprimer dans le monde ça? Et est-ce que l'idée, bon Dieu, a par une conception, est-ce que bon Dieu, par une construction, et un bagage que nous imaginer, et ne serait-ce que pour nous pas vivre dans le monde ça, et de manière, et tant qu'on orphelin? Je pense que ce sont belles questions, et ce n'est pas la première fois que la question ça a soulevé, et grand pile monde qui était quoi comme ça. Et il y a un monde qui était postulé en hypothèse comme ça, c'était Immanuel Kant. Et qui dit même t'es quoi que y a des valeurs, si vous voulez, c'est des catégories impératives et que nous besoin pour là-dedans au niveau éthique et moral. Mais cependant, faut que bagaille ça yo fondé quelque part. Ouais, si pas bon fondement pour yo même, c'est que moralité vient en bagaille qui subjective, moralité vient en bagaille qui dépend de préférences individuelles. Et donc dans ce sens ça, faut que nous joignions un côté pour nous articuler yo, pour nous fonder yo, pour que vous ayez poids, pour que vous soyez capable, si vous voulez, des impératifs. Et le meilleur bagage que nous sommes capables de faire, c'est inventer bon Dieu, ouais, pour faire que qu'on est que, et donc moralité, son bagage qui sortit dans bon Dieu, et donc les vins vont porter et universel. Et donc après Immanuel Kant, il y a un pile monde qui continue à aborder dans le même sens ça, il croit que bon Dieu, et c'est tout simplement une construction, c'est comme si nous allions dire, c'est volonté, non, pour faire bon Dieu exister. Qui fait bon Dieu exister, mais bon Dieu, si vous voulez, il n'est pas un être qui existait de par lui-même. Donc, il y a des gens qui approchent ces questions comme ça. Réalité, c'est qui ça? C'est que nous gagnons de très bons arguments en faveur de l'existence de Dieu. Ouais, qui fait que bon Dieu, et au besoin, quoi que l'exister, ce n'est pas seulement une construction de la pensée. Et il y en a un premier argument que nous gagnons, c'est l'argument, si vous voulez, en faveur de la venue à l'existence même de l'univers. Ouais, parce que nous croyons que tout ça qui commence à exister, besoin en cause pour existence, li, dans la mesure où l'univers n'est pas toujours là, l'univers commence à exister, et donc l'univers a besoin de cause pour existence. Li. Et ça, c'est simple, parce que c'est la loi de la causalité. Donc, pour tout effet, au besoin en cause, puisque l'univers a son effet, et donc il a besoin de cause pour existence, li, et donc de là, et au besoin croit que l'univers a besoin cause et cause ça a besoin en dehors de l'univers là. Maintenant, puisque c'est avec l'univers là où vient gagner le temps, où vient gagner l'espace, où vient gagner la matière, où gagner l'énergie, donc il était tout à fait normal que cause univers là lié en dehors du temps, c'est-à-dire lié intemporel, lié éternel, il était tout à fait normal que puisque c'est avec l'univers là que on gagne matière, il était tout à fait normal que cause univers là lié en dehors de la matière, c'est-à-dire l'esprit, spirituel, puisque c'est avec l'univers là que vous gagnez l'espace, donc cause univers là, il besoin en dehors de l'espace, c'est-à-dire que le besoin transcendant, puisque c'est avec l'univers là, venu à l'existence de l'univers là pour gagner énergie, et donc cause univers là, il était besoin tout-puissant. Mais si vous regardez trois, quatre qualificatifs, ça, c'est comme ça que nous présentons bon Dieu. Nous présentons bon Dieu qui est en dehors du temps. Nous présenter bon Dieu qui est en dehors de l'espace, nous présenter bon Dieu qui c'est esprit, et nous présenter bon Dieu qui est tout-puissant. Bon, ça on l'est. Et donc, dans ce sens-là, on a de très bons arguments, et que m'invitez moi à consulter différents arguments que me traiter, arguments ontologiques pour l'existence de Dieu, arguments cosmologiques pour l'existence de Dieu, et arguments moraux, si vous voulez, pour l'existence de Dieu. On a un ensemble d'arguments qui présentaient et qui fait qu'on est que bon Dieu dit exister. Et la connaissance de Dieu, son connaissance de base, son connaissance que nous gagnons de manière intuitive, même genre que nous connaissons 2 plus 2 égale à 4, intuitivement, nous connaissons que bon Dieu lui existait. Et c'est ça que je crois que la Bible pas fait effort pour chercher convaincre le monde pourquoi il y a un bon Dieu, parce que la Bible seulement partit par définition que seul un sens est capable de dire dans le cœur que mon Dieu pas existé. Et donc, dans ce sens-là, la connaissance de Dieu, son connaissance de base, c'est pas parce que nous voulons bon Dieu exister qui fait bon Dieu exister, mais bon Dieu existait de par lui-même, parce que nous-mêmes, y compris toute sa dans l'univers-là, nous c'est des effets, et pour tout effet, nous besoin cause.
Maintenant, capable de gagner des causes intermédiaires, mais quelque part obligé de rester dans son relais en cause première ou bien en cause principale. Et dans la mesure où nous-mêmes, capable de parler, nous c'est des êtres personnels, des êtres relationnels. Donc, ça qui cause nous, t'as supposé tout aussi relationnel et personnel. Deuxième question qui est intéressante, c'est Fille de Salem, et qui pose une question, ça, qui dit qui ça prémissier au regard de la Bible. Alors, prémisse, tout simplement, vous l'avez dit, premier fruit. Et un texte intéressant, c'est dans Proverbe 3, 9, qui dit « Honore l'Éternel avec ton bien et avec les prémices de tous tes revenus. » C'est-à-dire que tout premier fruit dans le travail, ou premier fruit dans toute sorte de besoin consacré à Dieu. Je pense que c'est une belle attitude que l'on est capable de gagner, en sorte que pour lui offrir premier bagage, ouais, le meilleur de lui-même, lui offrir à Dieu. Je pense que c'est qu'on soit capable de traduire et dans le contexte alliance ça que nous gagnons et sous la grâce, c'est offrir à bon Dieu le meilleur de nous-mêmes. Ouais, c'est bailler bon Dieu tout nous-mêmes. Parce que et lorsque vous considérez, gens que vous te comprenez, prémisse là, automatiquement, au fin, bah, mon Dieu, premier fruit, tout reste là pour vous. En réalité, elle va pas comme ça. Parce que tout bagage est pour mon Dieu. Ouais, et même Jean-David t'a dit, Seigneur, ça courbe en nous, c'est là dans la pauvreté, ou qui s'en cabarou en tant que tel. Parce que, ou pour mon Dieu. Et si vous-même, pour mon Dieu, donc certainement, tout ça que vous possédez, tout pour mon Dieu. Mais cependant, dans l'expression relation avec mon Dieu, vous voulez montrer, bon Dieu, que vous avez la première place. Vous voulez montrer, bon Dieu, que c'est le plus important. Vous voulez montrer, bon Dieu, que c'est la priorité. Et donc, dans ce sens, ça, vous avez, bon Dieu, prémisse de toute sorte. Vous avez, bon Dieu, le meilleur de vous-même. Parce que c'est comme ça que vous êtes capable d'interpréter dans un contexte de libéralité chrétienne et non dans un contexte de contrainte, et même gens que ça a été fait dans l'Ancien Testament. Et on a une belle question qui est posée, c'est Tamara N.J. Fritz Delien qui dit, pour qui ça, bon Dieu, te permettre polygamie? Ouais, et il y a un pile monde qui pensait que, et lorsque vous regardez, et un pile patriarche, il y a plusieurs madames, et donc, ils estimaient que, il n'y a pas dans la Bible, on côté bon Dieu condamné ça. Et donc, puisque bon Dieu n'a pas condamné polygamie, est-ce que bon Dieu n'est pas en faveur de polygamie? Bon. Et c'est une très belle question. Réalité, c'est que ce n'est pas parce que dans la Bible, là, ou pas ouais, que bon Dieu condamne un bagaille et qui fait bagaille là, et bon. Ouais, donc ce n'est pas parce que bon Dieu pas condamné qui fait le bon. Bon Dieu capable pas condamner parce que ou pas besoin dans la Bible, là, si vous voulez, et noir sur blanc, chaque côté qu'on monde qui font bagaille, bon Dieu court et condamne. Ce n'est pas ça. Mais cependant, lorsqu'on a la Bible là, de manière systématique, lorsqu'on comprend la pensée de Dieu, lorsqu'on essaie de comprendre comment bon Dieu exprime et volonté, et déjà, on prend en compte que la révélation de Dieu, son bagage était progressif. Ouais, c'est progressivement, bon Dieu a révélé caractère, bon Dieu a révélé qui est lié, jusqu'à ce que au final, bon Dieu vienne révéler le pleinement en la personne de Jésus-Christ. Maintenant, lorsque bon Dieu a révélé le contexte, Jésus-Christ vient clarifier pour nous la volonté de Dieu. Jésus-Christ vient clarifier pour nous standard bon Dieu. Ouais, en sorte que pour que pas de doute encore dans la pensée nous. Cependant, dans l'Ancien Testament, on pourrait que bon Dieu te permette polygamie. Pour qui ça? Pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a une raison. C'était que bon Dieu te bail nos mandats pour que nous te croîtes, pour que nous te multiplier, pour que nous te remplis la terre. Et une façon que nous sommes capables de faire, c'est gagner un garçon, tu es capable de gagner plusieurs madames dans ce sens. Ouais, c'est une raison. Yo. Deuxième raison, tout, on regarde les conditions économiques à cette époque et qui étaient très précaires, particulièrement pour mesdames qui n'ont pas de garçon. Lorsque une fille atteint l'âge et que n'est pas mariée, n'est pas de petit monde, fille, ça, tu as toute chance pour qu'elle sombre dans la prostitution. Or, prostitution, son bagage que bon Dieu condamné. Et donc, dans ce sens-là, pour éviter que mesdames tombent dans la prostitution, bon Dieu te permette que yon garçon te capable supporter yo dans ce sens-là et faire ou une madame yo. Donc, dans le contexte, ça, ou te capable ouais, que yon garçon te capable gagner et plusieurs et madame, et ou capable dire que ça, son moindre mal. Ouais. Donc, c'est comme si Ndado, entre Jean ou dit, entre deux mots, on choisit le moindre.
Donc, ouais, et entre polygamie qui sont mal et prostitution qui sont mal, ou comme choisir polygamie, hein, parce que polygamie sont moins doué mal, ouais, dans ce sens-là. Mais bon Dieu, d'après clarifier penser. Et on réalise que dans la Bible, premier monde qui te prend plusieurs madames, et son monde qui était en rébellion contre Dieu, c'est le mec. Et le mec, il prend deux madames, et il prend deux femmes, et donc dans ce sens-là, et le mec te présente le tout comme un monde. Et plus tard dans l'histoire, le mec, et on voit que son monde qui était opposé avec volonté bon Dieu, et lorsque l'a dit que si Caïn a vengé 7 fois, le mec a vengé 77 fois, 7 fois, pour opposer et à bon Dieu comme une rebelle. Et c'est ça que Jésus-Christ plus tard a pu le clarifier pour nous. Ouais. Et que au commencement, c'est pas comme ça bagaille. Et ouais, au commencement, Jean bon Dieu te voulait, c'est que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, il va dire à ses femmes, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc Jésus-Christ reprend ça pour dire que, mais ça que tu es dans volonté papa dès le début. Cependant, à cause de dureté que nous, bon Dieu conseille de bagaille, il te permet, tant qu'on divorce, il permet, lui. Ouais, mais ce n'est pas standard, lui. Standard, là, Jésus-Christ vient clarifier pour nous. De la mesure où révélation, mon Dieu, était progressive, qui culminait jusqu'à la personne et du Christ. Une autre question qui est intéressante, c'est Rolando Ganjoli Bao, qui pose une question, ça, qui dit, pour qui ça, en partie, qui pile essentiel dans la Bible, ouais, à savoir la résurrection du Christ, pour qui ça, il y a 4 évangiles qui rapportent et ont rapporté différemment. Bon, ça sont belles questions. Effectivement, pas de discussion dans ce sens-là. Nous gagnons 4 évangiles et qui rapportent résurrection et au pas bail même détail. Maintenant, si 4 évangiles ça yo te bail même détail yo, le ça nous t'apprend une accusation sous tête. Accusation ça, t'apprend une accusation de collusion. M'a ba un exemple. Si dans un tribunal, ou gagne 4 témoins qui présentent le, qui rapportent un fait. Et 4 témoins, ça, ils ont rapporté fait exactement dans les moindres détails. Le juge là, l'a rejeté témoignage là, parce que l'a dit qu'il y a une collusion. Ça veut dire que 4 témoins, ça, ils ont été réunis, ils ont concocté, ils ont témoignage pour le bail, parce que c'est pas comme ça bagaille, ils ont été passés. Et donc, lorsque vous avez 4 témoignages qui sont différents, ou bien 4 témoignages qui ont 4 perspectives différentes, les bon mosaïque qui dit exactement mais comment ça s'est passé. Et le soir, ouais, pas de collusion dans gens que et chaque monde y était approché et question ça. Donc, il est extrêmement important lorsque nous considérons les Écritures pour nous considérer les Évangiles comme des témoignages et des témoignages qui pas concoctés. C'est pas des monde qui te met tête ensemble et qui te dit mais ça que nous pral bail, mais ça que nous pral rapporter. Et donc, dans ce sens, ça, témoignages que nous recevons dans les Évangiles, si vous voulez, c'est des témoignages qui sont capables de passer devant n'importe qui cour de justice. Parce qu'effectivement, si vous avez des témoins qui ont rapporté sur mon fait, il est tout à fait normal que chaque témoin ait une perspective par rapport à question. Il est tout à fait normal que chaque témoin vienne avec approche là. Mais la réalité, c'est que l'un ne pas contredit l'autre. Ouais. Par exemple, vous pouvez avoir un témoin qui dit que tu as 2 anges qui te paraissent, il y a l'autre qui dit que c'est ton seul ange. Mais en réalité, nous si tu as 2, c'est que tu as l'un, au moins. Ouais. Donc, et on est capable de témoin qui dit que c'est 2 femmes, et on est capable de témoin qui dit que c'était 3 femmes. Si c'est 3, c'est 2 quand même. Et donc, dans ce sens-là, et niveau de détail, ça, il dépend tout, si vous voulez, de message que l'auteur a voulu faire passer. Ouais. Et il y a des auteurs qui ont insisté sur plus de détails qu'on l'autre, il y a des auteurs qui ont fait moins de détails. Par exemple, si on monte pour Luc. Luc dit que pour rédiger l'évangile par là, il consultait des témoins oculaires, parce que Luc n'est pas un disciple de Jésus-Christ, et il parlait à des témoins, et à partir de là, il arrivait à gagner information pour le produire l'évangile. Et en même temps, tout Luc a un message qu'il devait faire passer. Et donc, parce que le bon message qu'il devait faire passer, il est très sélectif dans l'événement pour connaître qui ça l'a rapporté, qui ça l'a pas rapporté. Mais la résurrection de Jésus-Christ, et vraiment mes questions en bas haut, c'est fondement, c'est pilier, et le christianisme, c'est sous ça que le chita. Et moi, content que nous ayons 4 perspectives différentes sur la résurrection, hein, toutes focalisées sur la résurrection de Jésus-Christ comme un fait historique,
Ouais, yon bagay ki rive, effectivement, et ki ta pral genye de repercussions jusqu'à jodi ya. Ouais, m kontan ke nou pat gen kat moun ki te mete ou d'akò, ki pou te di, mais sa ke nou pral baye, ouais, pou kapab montre, parce que le sa ou ta pral gon akusasyon de kolusyon. Bon, l'autre question qui est intéressante, c'est Annie Charles qui dit, pour qui sa chrétien pas quoi dans dinosaure, alors que la science prouvait que dinosaure existait? Est-ce que c'est parce que chrétien ou pas quoi dans l'évolution? C'est une très belle question, Annie Charles. Alors, il faut me dire que pas qu'on relation directe entre dinosaure et évolution. Ouais. Et souvent, et lorsque y a présenté évolution, malheureusement, monde qui pas maîtrisé le concept ça, qui pas contre sa évolution, yo fait tout nos package, ouais, yo fait tout nos melting pot, et yo mette tout bagay la donne. Évolution, hein, l'ichita sur le fait que nous toutes, et nous gain sorele, nous sortis dans un seul source, dans un seul souche, et c'est ça, orele, l'ascendance universelle. Et dans le sens que nous toutes, et nous sortis, et même côté, la vie sortit dans la matière inerte, ça veut dire matière qui bagne la vie, la donne. Et la matière inerte li bay naissance à la matière vivante. Et donc la vie est commencée dans une dimension végétale et pour que li aboutit à une dimension animale. Ouais. Et donc yo montre la vie commencée dans la mer et que de là étant, il y a différentes formes de vie qui viennent émerger et à travers le temps et à travers la chance, parce que c'est ça l'évolution, c'est le temps qui combiné avec la chance et qui justement vient bah nous sortir dans des cellules, si vous voulez, des cellules simples et pour aboutir à des cellules beaucoup plus complexes, je vous dis. Et donc, c'est ça qui origine, c'est là à côté le monde sorti. Si vous avez besoin de plus de détails, vous êtes capable de suivre différentes conférences que vous présentez sur évolution et création. Et pour me capable de montrer qui thèse, qui plus qu'un B. Maintenant, pas une relation directe entre évolution et dinosaures. Cependant, puisque les gens qui croient dans l'évolution, souvent ils présentent la Terre gagner des milliards d'années, et puisque les dinosaures, ils présentent comme étant des êtres qui étaient sous Terre pendant des millions d'années. Et donc, dans ce sens-là, il y a des gens qui font association, hein, ou bien il y a des gens qui font amalgame ça entre dinosaures et évolution, mais c'est deux bagages complètement différents. Maintenant, lorsque nous disons que et chrétien pas quoi dans l'évolution, chrétien pas quoi dans micro-évolution, ouais, alors chrétien pas quoi dans macro-évolution, mais nous quoi dans micro-évolution. Qui ça veut dire deux concepts ça? Micro-évolution, hein, son bagay ouè chaque jour. Ouais, par exemple, si m pran une génération de moustiques, mwen flite yo avec un bégon, et gen la de ou kap mouri, sak pa mouri yo, y ap développé des anticorps, et que si yo fè petite, si yo fè l'autre maringouin que ap fè yo, y ap fait avec tout anticorps sa nan yo même, et wap wè que bégon n'a pas efficace. C'est ça que gen moun ki di ou que bégon longtemps te pi bon que bégon jodi a pa tué moustique. C'est parce que bête yo vin adapté yo. Ouais, c'est ça que nous les variations adaptatives. Donc, au moins, adaptation qui est faite au niveau de différents êtres et de différentes espèces. Et donc, qui vient faire que, et si vous voulez, ils ont développé des capacités. C'est même déjà souvent chien qui vit dans un pays frais, pourquoi que plume sous peau la plus longue que chien qui vit dans un pays tropical, par exemple. Parce que l'autre là, il adapte. Donc, c'est la micro-évolution. Donc, quoi là-dedans? Cependant, ça que nous pas quoi? Nous pas quoi de la macroévolution. Macroévolution, c'est capacité pour sortir de yon espèce à l'un ou l'autre. On nous quoi que espèce pas jambé, espèce pas bay l'autre espèce. Ouais. Donc, on capable croiser, si vous voulez, des animaux, mais elle était toujours dans la même catégorie, dans la même genre, dans la même famille. Là. Donc, il n'y a pas changé. On capable croiser différentes espèces chiens, mais là, toujours bon chien. On pas qu'à croiser deux chiens pour le bon chat. On pas qu'à croiser deux chats pour le bon tigre. Ouais, donc chaque bête était dans espèce, il était dans catégorie, et donc dans ce sens-là, et c'est ça que justement, il y a un plus gros défi pour l'évolution, c'est que nous demander pour que nous capables ouais fossiles transitoires, qui capable montrer que comment une espèce sorti dans l'autre espèce, notamment les fossiles ça aussi ont existé, et jusqu'à présent, on a demandé pour nous, ça fait 300 ans, et depuis théorie Darwin, il n'y a personne qui est capable de prouver fossiles transitoires, pour montrer effectivement passage
de yon espèce à un autre. Et donc, dans ce sens, ça, nous pas quoi dans la macroévolution. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des dinosaures, dinosaures ont effectivement existé. Cependant, il y a des gens qui n'ont pas de difficulté pour le croire. Souvent, c'est parce que lorsque vous appelez Genèse, vous avez Genèse, vous interprétez les jours de la création comme des jours de 24 heures. Et donc, dans ce sens-là, vous n'avez pas qu'il y a des dinosaures qui existent là-dedans, si vous interprétez comme des jours de 24 heures. Mais cependant, ce n'est pas seule interprétation qu'on est capable de faire de Genèse. Ou capable d'interpréter les jours de la création comme une période longue, mais finie. Et donc, dans ce sens-là, tu as gagné assez de temps au cinquième jour pour que l'espèce ça ait été créée et puis l'espèce ça ait été extincte, éteinte, ne vienne pas exister encore. Et c'est l'espèce ça, justement, on va le retrouver qui fossilisait, et pour certains, et pour d'autres qui t'avaient le nom, si vous voulez, toutes les couches, tu as les différentes couches en géologique. Et vous regardez, vous voyez qu'il y a des bêtes qui fossilisées, et vous regardez qu'il y a des fossiles, tout. C'est eux-mêmes qui viennent, bah, nous, si vous voulez, pétrole ou bien minéraux que nous, aujourd'hui, que nous-mêmes nous possédons. Mais ça va dépendre de gens à interpréter jour création. Et qu'il y a des chrétiens qui croient que, qui croient dans des jours de 24 heures, et il y aurait les gens qui croient que la Terre est jeune. Et qu'il y a des chrétiens qui croient que non, et ce n'est pas nécessairement des journées de 24 heures. Parce que mot jour, là, vraiment, et en hébreu, c'est yam, il est capable de dire demi-journée, il est capable de dire yon journée, il est capable de dire une période de temps. Et donc, dans ce sens-là, ou pas gain, ou pas si vous voulez, ou pas gain, ou pas obligé d'interpréter jour comme ça. Et si ou quoi dans que tu es allé ancien, donc ça vaut assez de temps pour que dinosaures aient existé et que vous disparaissez. Et cependant, il y a une troisième catégorie une troisième catégorie d'explication qui croit que dinosaures effectivement existaient, mais cependant, ils n'ont pas capable de subsister pendant des déluges là. Ouais, donc, pendant des déluges là, ils ont péri. Donc, monde qui croit dans la théorie de la jeune Terre, ils croient que dinosaures ont péri dans le déluge. Et cependant, il y a monde qui croit que dinosaures n'ont pas jamais existé vraiment parce que période là trop courte pour exister parce qu'ils n'ont pas, ouais, ou pas mis animaux qui criaient. Et au niveau de la Genèse. Et donc, mais différentes façons qu'on est capable d'approcher ça. Encore une fois, pas une relation entre évolution et dinosaures. Dinosaures ont été bel et bien existés, ils n'ont pas là encore. Et c'est ça qu'on est capable de venir que fossiliser. Et donc, dans ce sens-là, et pas une, si vous voulez, une dichotomie entre ça que la science dit et ça qui est interprété au niveau de la Bible. Et ces mêmes bagailles, ils ont été existés, seulement qu'ils n'ont tout simplement pas là encore. Une autre question qui est intéressante qui est posée, c'est pour qui ça, bon Dieu, Ancien Testament, lui paraît un bon Dieu qui est colérique et dans la colère, lui détruit et femme à petit monde. Ça, sont très belles questions, sont questions délicates. Ouais. Et question ça, ce n'est pas le premier monde qui pose, elles sont questions qui a posé depuis même le premier siècle, même de l'ère chrétienne. Et jusqu'au deuxième siècle, il y a un monde qui était quoi comme ça, c'était un certain Marcion, et qui était quoi que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu colérique, c'est un Dieu capricieux, alors que le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour. Et donc, dans ce sens-là, il présentait Jésus comme le Dieu du Nouveau Testament qui est différent du Dieu de l'Ancien Testament. Mais ça, son erreur de catégorie, et son erreur, et capable de dire, son hérésie, ouais, qui te combattent et depuis le premier siècle de l'ère chrétienne, et c'est justement raison ça, et qui fait que Marcion t'est rejeté, et une quantité de livres, particulièrement tout livre dans l'Ancien Testament, et que qu'un deux, trois livres, monsieur prend deux, trois livres dans le Nouveau Testament, le prend, et deux, trois livres qui étaient en circulation, le prend, et pour capable présenter une certaine version. Et c'est ça que justement, où tu as gagné tout effort ça, et qui t'est fait pour être capable de compiler Livio, et qui t'a le Nouveau Testament. C'est une raison, c'était pour être capable de combattre l'hérésie de Marcion. Alors, l'important pour que nous connaissions que dans la doctrine de Dieu, bon Dieu présentait-le comme étant immuable, c'est-à-dire que bon Dieu pas changé. Et la Bible clairement dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si bon Dieu c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ou pas grand bon Dieu dans l'Ancien Testament qui était colérique, ou pas grand bon Dieu dans le Nouveau Testament qui sont bon Dieu d'amour. Au contraire,
Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, où elle est présentée, mon Dieu, comme un Dieu de compassion. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, c'est ça que la Bible dit, non. Et car sa miséricorde durera toujours. Ouais, donc, bon Dieu, présentez-le comme un Dieu de compassion. La compassion fait partie de la nature de Dieu. La miséricorde fait partie du caractère de Dieu. Et ceci, et depuis l'éternité, de toute éternité, nous capables de dire. Donc, dans ce sens-là, bon Dieu va changer. Mais l'important tout pour réaliser que Jésus, le Logos incarné, avant son incarnation, Jésus, il est le Yahweh de l'Ancien Testament. Ouais. Et à chaque fois que dans l'Ancien Testament, on a parlé de l'ange de l'Éternel, ouais, il a parlé de Jésus-Christ personnellement, le Logos préincarné. À chaque fois qu'il a parlé de la parole de l'Éternel, c'est le Logos préincarné. Donc, Jérémie a dit, la parole de l'Éternel se tient près de moi. La parole de l'Éternel touche ma bouche. Donc, il a parlé de Jésus et personnellement. À chaque fois qu'on va parler le nom de l'Éternel, à chaque fois qu'on va parler l'Éternel, il y a parlé de Jésus-Christ, le Yahweh visible de l'Ancien Testament. Et ça, quelqu'un qui croit que tu as deux Yahweh, il y a un Yahweh visible et un Yahweh invisible. Le Yahweh invisible, personne ne l'a vu. Et c'est ça que Moïse t'a dit, bon Dieu, et bon Dieu t'a dit, Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Et c'est ça que Jésus t'a dit plus tard, que nul n'a vu Dieu. Maintenant, si nul n'a vu Dieu, qui est-ce que Jacob dit ouais? Qui est-ce que Abraham dit ouais? Ouais. Et nous connaissons que Abraham t'a rencontré bon Dieu, et bon Dieu t'a visité lorsque il dit, et est-ce que le cas caché Abraham, ça le fait? Ouais, bon Dieu entretenu l'a fait qu'Abraham. Si personne ne parle de bon Dieu, c'est qui est-ce que le dit ouais? Et donc là, ça, nous parlerons plus tard que Jésus a dit que Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Donc Jésus-Christ, c'est le Logos préincarné. Et qui te compte faire des apparitions, ça qui aurait des théophanies, et des apparitions, et côté Jésus-Christ, il paraît sous forme de monde, et il est entretenu, et si vous voulez des relations, et il parle ensemble avec vous, et normalement. Donc, ce qui fait que ce Yahweh, que mon te compte, ouais, qui te compte a tracé exemple à droite et à gauche, et pour empêcher que le mal propage, ce Yahweh, c'était Jésus-Christ. Le Dieu d'amour, et qui est notre ami, qui est notre sauveur, qui est notre Seigneur, mais il n'a pas changé. C'est tout simplement dispensation qui change. Et nous avons année de grâce, et qui fait que, bon Dieu, il agit différemment, ouais, selon l'alliance-là. Ouais, mais cependant, lorsque on lit et ça qui est présenté sous Jésus dans le livre de l'Apocalypse, et donc on présentait qu'il présentait en Jésus, pas comme l'agneau, comme l'agneau de Dieu, mais elle présentait comme le lion de la tribu de Juda qui vit Cap-Vili pour exercer un jugement. Et lorsque Awa a présenté, elle dit comme ça que, et même dans la vision que l'ancien prophète a bâillé, ouais, que le vigne avec robe immaculée de sang pour te se fouler aux pieds les nations. Et donc, dans ce sens, ça, ouais, que pas une grosse différence du tout, entre le Jésus, entre le Yahweh de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Parce que Jésus est bel et bien le Yahweh de l'Ancien Testament et qui vient prendre une forme humaine en tant que Dieu qui a assumé une forme humaine par l'incarnation. Né d'une vierge, et Jésus-Christ, il a vécu parmi nous, et même Jean dit, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique de Dieu, venu du Père. Et donc, dans ce sens-là, pas de différence du tout. Pas d'évolution, pas d'ombre de changement pour ce qu'il s'agit de la personne de Dieu. Cependant, changement, il opérait au niveau de qui alliance. Dans telle alliance, bon Dieu a un comportement, dans l'autre alliance, il a un autre comportement. Et donc, dans ce sens-là, c'est comme ça qu'on est capable d'apprécier la différence et qui présente et pour ce qu'il s'agit de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'autre question qui est intéressante, c'est est-ce que chrétien qu'attend des musiques qui pas évangéliques? Ben, c'est ça, son très belle question. Et lorsque moi je vois la question, ça, il y a une bagaille me dit tête moi. Qui quantité message qu'a prêché dans l'église aujourd'hui qui pas évangélique? Ouais. Parce que souvent, à l'église, ouais, que c'est des messages de motivation personnelle, ouais. Et c'est des messages qui visaient à bâiller mon espoir. Et qui visait à bâiller mon confiance dans la tête, yo,
Et c'est des messages de développement personnel. Ouais, mais ça, ce n'est pas des messages évangéliques. Bon, c'est la première question, c'est qui leur ont bagaille évangélique? Yon bagaille évangélique, c'est lorsque le centré sur Jésus-Christ. Ouais, et yon bagaille évangélique, c'est lorsque il élevé Jésus-Christ, c'est lorsque le mettez Jésus-Christ à l'honneur, c'est lorsque le mettez Jésus-Christ côté le doyer, c'est-à-dire à la première place. C'est le sali évangélique. En pile message, malheureusement, dans l'Église, nous n'avons pas évangélique, mais nous écoutons quand même. Pour qui ça? Parce que, quand bien même que le message n'est pas évangélique, il quelque part lié qu'à édifier au monde, ouais, lié qu'à aider au monde à être plus responsable dans la vie. Et lié qu'à aider au monde à être plus discipliné dans la vie, dans une série de bagages. Lié qu'à aider au monde à réussir sur le plan personnel. Mais ça va aller dire message là évangélique, ça va aller dire que le monde a sauvé pour autant, ouais. Parce que, si on assemble et écoute ces messages, ça, ou seulement on approche le roi, on n'a pas jamais exposé à la croix de Christ, n'est pas jamais exposé au message de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, que vous connaissez que son pécheur et que pas grand rien capable de faire pour sauver tête lui. Et que bon Dieu fait provision pour lui-même en Jésus-Christ, qui était mort pour lui et qui ressuscité le troisième jour, et pour que le capable ait une relation personnelle avec Dieu, il y a un monde qui pas touché, il y a un monde message ça va arriver sous lui, il va sauver. Ouais, quand bien même que le capable de donner tout message qui est capable de développer ta vie personnellement. Donc, dans ce sens, ça, même gens qui ont capable d'écouter des messages de motivation personnelle et qui sont capables d'écouter une musique de motivation personnelle. Et souvent, la musique qui met en valeur la création, qui met en valeur la beauté qui vient de la création. Bah, c'est que son musique normale que mon chrétien est capable d'entendre. Et une musique qui met en l'honneur des relations fraternelles. Et une musique qui mettait en l'honneur et relations familiales, qui mettait en l'honneur et une série de bagages qui fait partie du royaume, qui fait partie de création et donc qui est important. Donc, il est capable d'entendre. Et peut-être, question que mon doit vraiment poser tête, c'est est-ce que le chrétien qui a écouté toute musique? Bah, ses réponses, c'est non. Et parce que même Jean-Paul dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ouais. Il y a des bagages qui édifient, il y a des bagages qui n'est pas édifié. Il y a de musique qui va édifier. Il y a de musique, par exemple, il y a là-dedans qui est capable d'édifier. Ouais, parce que son musique qui a dégradé le monde, qui a dégradé création, hein, et son musique qui est vulgaire, ou bien son musique qui sortit dans un rythme qui est purement diabolique. Et donc, dans ce sens-là, par exemple, il y a là-dedans qui est capable d'édifier. Et donc, chrétien a besoin de discernement pour être capable de discerner les choses les meilleures, pour être capable de connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et donc, dans ce sens-là, les chrétiens ont besoin de discernement, parce qu'il règle la clé dans la Bible, lorsqu'il dit que il dit pour ne pas conformer au siècle présent, ouais, mais pour quitter l'esprit, bon Dieu, transformer, et c'est le sauveur du discernement. Donc, règle d'or, là, ce n'est pas conformer au siècle présent. C'est qui ça qui vient dans le siècle présent? Qui ça qui vient dans la culture, là, qui n'a pas honoré bon Dieu? Ouais, certainement pas pour rejeter culture, mais pour rejeter tout ça qui est dans la culture, là, qui n'a pas honoré bon Dieu. Si il y a des musiques dans la culture là qui pas honorer mon Dieu, si il y a des musiques dans la culture là qui dégradent création, hein, qui dégradent créature là, si il y a des musiques dans la culture pas édifiées, donc son temps perdu pour écouter bagaille ça, oui, ou capable même écouter, ou capable même souiller ou même en tant que chrétien. Et donc dans ce sens ça, l'important pour que nous capables faire la part des choses et parce que sinon on dit que le chrétien pas doit écouter musique qui pas évangélique, le chrétien pas doit écouter message qui pas évangélique tout. Or, malheureusement, dans l'Église, aujourd'hui, il y a plus fort message qu'à prêcher du haut de la chaise, c'est message qui n'est pas évangélique. C'est message côté on monde vient à raconter aux villes, on a raconté aux histoires, on a raconté comment le faire pour réussir, on a capable de réussir tout, et vient accepter Jésus, et ou pas bien problème encore, ou pas le riche, ou pas bien malade encore, et moi, sans problème, Christ réglé tout à fait. Et donc, ce type de bagage, ça, ou bien malheureusement, qu'à véhiculer dans l'Église, et des messages qui passent centrés sur Christ, mais des messages qui sont centrés sur le développement humain, sur le développement personnel, sur l'effort personnel, sur la motivation personnelle. Pas dit bagaille, ça n'est pas bon, il est capable d'édifier. Ouais, et donc dans ce sens-là, et on est capable d'écouter. Mais cependant, il est important pour faire la part des choses, pour qu'on ait, est-ce que le message ça a vraiment une place sur l'Église? Ouais, et lorsque on vient de l'Église, est-ce que c'est ça le vient fait? Et est-ce que l'Église son centre de développement culturel, et est-ce que l'Église, c'est son centre d'amusement, et est-ce que mon avenir pour être capable de jouer un monde qui booste moral? Bah, c'est ça capable de donner tout, mais cependant, ça pas capable l'essentiel de ce qui se dit du haut de la chair. Ouais. Donc, il est important que mon capable nourrir, et s'il vous plaît, dans l'enseignement des apôtres,
Et même Jean texte a été dit, c'est comme ça, premier chrétien, on était qu'on persévérer dans l'enseignement des apôtres. Bah, c'est lorsque l'Église focus sur l'enseignement, ça, et l'enseignement apôtre était focalisé sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, là, ça, on est capable de dire un message qui est véritablement capable d'édifier dans le contexte. Ça. L'autre question qui est intéressante, c'est est-ce qu'il y a un pasteur qui a son loge? Bon, c'est une très bonne question. Alors, lorsque je reçois la question, ça, m'a réfléchi, je me dis, pourquoi ça, on me pose une question comme ça? Ouais, et je pense que personnellement, il y a un pasteur qui a son loge. Mais qui me clarifier la pensée. Là, nous réaliser que pasteur a son titre que lui. Ouais, et il y a deux monde qui n'est pas chrétien qui pasteur. Pas vraiment, on met en tête que depuis mon pasteur, ou bien depuis mon petit titre pasteur, sont, qui sont disciples de Jésus-Christ, sont mon cap suivre Jésus-Christ, sont mon chrétien. Non. Ou bien des gens qui proclament tête du pasteur, même Jean Odia, ou bien des gens qui proclament tête du apôtre, ils proclament tête du prophète, ils proclament tête du, et si vous voulez, toutes sont capables, toutes sortes de titres qu'ils sont capables de bailler tête. Et donc, pasteur a son titre parmi toutes leurs titres. Donc, il y a un pasteur capable de saluer, il y a un pasteur capable de faire saluer, il est capable de tout saluer, il est capable même marcher en loge. Ouais. Mais cependant, un chrétien n'est pas capable de faire toute bagaille, un chrétien n'est pas capable de faire toute bagaille, un chrétien n'est pas capable de marcher en loge pour le simple fait que chrétien, lui-même, lui, c'est lumière. Lorsque vous entrez dans une loge, en général, vous regardez des croyances que vous gagnez, c'est des croyances qui sont diamétralement opposées à la foi chrétienne. Premièrement, pour ça qui concernait le péché. Yo même yo pas quoi dans le péché, yo pas quoi dans la doctrine du péché originel. Yo pas quoi dans ça. Ouais, yo tout simplement quoi dans de bonnes œuvres que mon capable de faire pour le capable sauti colle. Ouais, yo quoi dans un ensemble de rythmes, un ensemble de rituels et que mon capable de faire et justement pour le capable améliorer tête li. C'est pas ça que la Bible enseigne. Et vous regardez que dans loge là, il y a quoi dans déité, dans être suprême, dans le grand architecte. Mais grand architecte, ça n'a pas défini. Et c'est ça que vous pouvez dans maçon loge. Et tout le monde bienvenu, ouais. Et que vous sont bouddhistes, ou bienvenu. Que vous sont musulmans, ou bienvenu. Et que vous dites vous sont chrétiens, ou bienvenu. Et tout le monde joigne, ouais. C'est le pluralisme. Et c'est ça que lorsque vous parlez de bon Dieu, par contre, de qui ça a parlé? Ouais. Et lorsque vous parlez donc être suprême, ou par contre de qui est-ce qu'il a parlé? Ouais. Est-ce que être suprême, ça, c'est Allah? Est-ce que c'est Krishna? Est-ce que c'est Yahweh? Et, ou par contre, parce que son bagage, tout le monde joigne. Et donc, dans ce sens-là, un chrétien pas capable dans le pluralisme religieux. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ présentait de manière exclusive et en tant que Dieu. Et donc, dans ce sens-là, il y a un monde qui n'est pas quoi dans l'exclusivité de la seigneurie de Jésus-Christ ou pas capable chrétien. Ouais. Et maçon, il n'y a pas quoi dans la Trinité. Ouais. Donc, le ça, est-ce qu'on passe tu es capable pas quoi dans le péché originel? Est-ce qu'on passe tu es capable pas quoi et dans la Trinité? Est-ce qu'on passe tu es capable pas quoi et dans l'exclusivité de la personne de Jésus-Christ? Et donc, dans ce sens-là, et si on passe tu es pas quoi dans bagaille, ça, on va pas tu. Et donc, dans ce sens, ça, c'est capable de marcher en loge. Ouais. Donc, il est extrêmement important pour que nous considérions bagaille ça. Et particulièrement lorsque les gens qui entrent dans maçon, ils sont à la recherche de la lumière. Et cependant, Jésus présentait nous comme lumière. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Et lumière, ça l'y a habité dans nous. Je ne suis pas capable, c'est lumière. Et que qu'on y a la montrer dans une secte et pour mal chercher lumière. Et on voit que dans la recherche de lumière, ça, souvent, yo entré à chercher des connaissances ésotériques et des connaissances kabbalistiques et pour ce qu'il s'agit des choses cachées. Or, la Bible a dit nous clairement que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ouais, c'est ça que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Chers amis, y a un pasteur qui est sauvé. Ouais, parce qu'il y a un pasteur qui n'est pas sauvé. Ouais, y a un pasteur qui est sauvé. Il y a un pasteur qui a l'esprit bon Dieu qui habite dans l'île, pas capable de son loge. Mais cependant, un pasteur qui proclame tête lui comme pasteur, un pasteur qui raquette et il est capable de faire saluer et j'enlever parce que c'est grand monde tête lui. Mais cependant, il y a un pasteur qui sont bergers, qui en bas la seigneurie de Jésus-Christ, il n'est pas capable de son loge. L'autre question qui est intéressante qui est posée, c'est qui ça qui péché contre Saint-Esprit? Ça, c'est une très belle question. Pourquoi sa question ça intéressant, c'est parce que Guédemoun, Satan, Kimbeyo est sous le joug de l'esclavage, parce qu'il fait reconnaître que commettre le péché impardonnable.
Ouais. Et parce que vous commettez péché impardonnable, ça, donc pas de salut pour vous encore, donc animal normal, l'animal net. Extrêmement important pour nous comprendre qui ça péché contre Saint-Esprit. Hein. D'abord, péché contre Saint-Esprit, hein, il y a un contexte qui est lié ensemble avec lui. Et si vous voulez, c'est contexte côté Jésus-Christ, il a opéré des miracles et devant pharisiens. Yo. Et pharisiens, ouais ça, pharisiens reconnaissent que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est Messie. Hein. Mais puisque dans Maïo, il y a tant de Messie qui est militant, il y a tant de Messie qui tape vine, si vous voulez, renverser Romain et puis établir une domination et sous païen et puis prendre Météo sous pouvoir. Donc, puisque vous voyez que Jésus-Christ, ce n'est pas ça le vin fait, donc vous opposez à Jésus-Christ, quoique vous connaissez qui est Jésus-Christ. Donc, vous rejetez Jésus-Christ en toute connaissance de cause. Lorsque vous voyez Jésus-Christ a opéré des miracles, ils disent que c'est par Belzébuth, ouais, c'est par Satan que le fait miracle ça. Donc, ils ne peuvent pas reconnaître le droit de Dieu qui t'a exercé dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, dans ce sens, ça, ils commettent le péché impardonnable. Ils péchent contre le Saint-Esprit. Et donc, parce qu'ils disent, ouais, Jésus, et je dis, ah, tel n'est pas le cas, pas quelqu'un qui est capable, ouais, Jésus, qui a performé des miracles et que pour être capable de dire que et Jésus, et c'est par Satan que l'a fait. Donc, dans ce sens, ça, ou bien une dimension au niveau du péché contre cet esprit qui n'est pas capable de faire jodi encore. Cependant, il y a un monde qui mourit sans que le pas accepter Christ, qui a une opportunité pour le recevoir le message de la parole de Dieu, qui a une opportunité pour le temps des messages-là, mais qui volontairement choisit pour rejeter le message-là, le monde ça a péché contre cet esprit. Oui, mais parce que il a mourir, pas la vie pour lui encore, parce que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Monde ça a tant de jugement. Il y a une autre catégorie que nous avons introduit. Encore son bémol, pour ce qu'il s'agit du péché contre le Saint-Esprit, c'est ça où est l'apostasie. L'apostasie, si vous voulez, est caractérisée par le rejet en partie et en totalité et de la doctrine chrétienne, et de l'enseignement chrétien, et de l'enseignement des apôtres, et aussi est caractérisé par, si vous voulez, un rejet de toute sa qui moralité pour capable entrer dans une vie de dissolution. Et particulièrement, apostasie, hein, c'est un monde qui te connaît, bon Dieu. C'est un monde qui t'a marché à bon Dieu. Et qui délibérément, je dis, a dit, bon Dieu, je n'ai pas besoin encore, retire-toi de moi. Même Jean, mon Dieu, t'a dit du temps de Job, il n'y a pas là, bon Dieu, a dit, retire-toi de moi. Qu'ai-je à observer ta loi? Qu'ai-je à t'adresser mes prières? Soit ça que t'es l'Éternel. Même Jean Pharaon t'a dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Il y a des gens qui comptent bon Dieu. Ouais, mais il y a des gens qui Pharaon, il ouais le doigt de Dieu, il ouais bon Dieu à l'œuvre. Et jusqu'à ce que le magicien lui dise, ah, ouais Pharaon, si tu es au Mbadabandre là, non, ça c'est le doigt de Dieu. Monsieur dit, qui est l'Éternel et pour que j'obéisse à sa voix? Ouais, et il y a des gens qui connaissent bon Dieu, qui rejettent bon Dieu délibérément, et il y a des gens qui t'a marché à bon Dieu, ouais, il y a des gens qui t'a goûté de la puissance céleste, qui t'a lavé dans le sang de l'agneau. Mais cependant, je dis, qui dit bon Dieu, catégoriquement, retirez au son, même pas besoin, de fouler au pied l'Esprit de la grâce, de rejeter Saint-Esprit, bon Dieu. Et puisque Job, Saint-Esprit, c'est lui-même qui est capable de produire en nous, et si vous voulez, c'est lui-même qui est capable d'inciter nous, qui est capable de pousser nous à la repentance, et puisque vous rejetez, puisque il a crucifié pour leur part le Seigneur de gloire, alors monde qui connaît le texte, vous voyez que m'a fait référence à un pile texte dans Hébreux 3, Hébreux 6, Hébreux 10, et ça ne peut pas citer le texte en particulier, mais mes vidéos à suivre un ensemble de conférences que je présentais sur l'apostasie et qui vraiment élaboré c'est qui ça apostasie en est. Et même j'aimerais me dire apostasie a son péché qui est tellement grave et son péché font mon lever bonheur pour faire. Ouais. Parce que l'Esprit bon Dieu est toujours là pour le convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Parce que c'est travail, ça c'est ministère, ça que Saint-Esprit vient faire à travers le monde. Mais cependant, il y a des mondes qui connaît ça et qui rejetait l'Esprit, bon Dieu, et donc dans ça, au capable de dire son forme de péché contre Saint-Esprit, bon Dieu. Maintenant, l'autre question qui est intéressante et qui m'a dit que nous considérer, c'est si on qui dit, pour qui ça, bon Dieu, punit Jésus-Christ au lieu que le tuer Satan qui était responsable péché. Et il y a deux mondes, lorsque a présenté bon Dieu, il a présenté bon Dieu son monde qui fait abus d'enfants, child abuse. Et parce que bon Dieu l'a abusé de Jésus-Christ,
Ouais, au lieu que bon Dieu adresse le problème, non, qui c'est Satan, et il choisit pour le punir Jésus. Bon, à mon qui a question ça, hein? Parce que c'est une très belle question, même suspect que c'est parce que mon ça a une sagesse qui est plus gros parce que sagesse pas bon Dieu, et son monde qui est plus intelligent que bon Dieu, et son monde qui est capable de servir bon Dieu de conseiller, et qui est capable de dire bon Dieu, si m'te ou m'pas faire comme ça, ouais. Et son monde qui est capable de dire, bon Dieu, non, ce n'est pas qu'on soit doué faire, ce n'est pas qu'on soit doué ou doué dessiner plan rédemption. Moi-même, moi, j'ai une meilleure idée. Ouais. Donc, m'estimer que j'ai une certaine arrogance, ouais, et dans la question ça, parce que son, ou bien une créature qui a questionné l'intention créateur. Ouais, qui a dit créateur, si m'te ou, m'pas ta faire comme ça. Mais qu'on va gagner l'important, l'extrêmement important pour qu'on ait. Lorsque le péché lui entre dans le monde, il faut que nous disions que le péché n'est pas commencé sous la terre, le péché commencé, et, si vous voulez, dans le ciel, et avec, et, si vous voulez, un être qui entrait en rébellion contre Dieu. Et pour qui ça capable d'entrer en rébellion contre bon Dieu, c'est parce que bon Dieu créait le même genre avec vous, à son image et à sa ressemblance, et il a les capacités, il a le libre arbitre. Et pour que le capable décider automatiquement, il y a un être bien libre arbitre, automatiquement, il y a un être bien possibilité pour le choisir, il y a une possibilité pour le mal choisir. Et que être ça lui-même, il choisit contre bon Dieu. Maintenant, bon Dieu a une capacité pour qu'il soit capable de tout éteindre une fois pour toutes. Et le ça trace son exemple capital sur lui, en sorte que pièce l'autre être céleste et pas t'apprendre à le permettre d'entrer dans le ça. Mais cependant, je suspecte que bon Dieu t'a passé pour un tyran, ouais, et non comme un Dieu d'amour, et comme, non comme un Dieu compatissant. Et donc, dans ce sens-là, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu, il t'a adressé problème péché, ça, ouais. Et dans la mesure où péché les anges avec péché pas nous, alors l'homme disant, c'est des êtres célestes que m'a parlé. Péché avec péché pas nous, pas même. Et dans la mesure où nous sommes capables de dire que pas une race qui aurait les anges, mais qu'on rassurait la race humaine. Donc, dans ce sens-là, pour ceux qui s'agissent des anges, on n'est pas capable de rédemption pour eux-mêmes. Parce que chaque ange est créé de manière individuelle, pas une race d'anges. Alors que pour ceux qui s'agissent de la race humaine, puisque son race, donc Adam péché, la race humaine a péché, donc on a Jésus qui t'appelle mourir pour l'humanité. Et particulièrement pour tout le monde qui t'a accepté la mort et résurrection de Jésus-Christ, et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et mettre la vie. Et donc, c'est plein ça que bon Dieu t'a ouais, pour être capable de mettre le mal en échec. Et bon Dieu t'a pas servi ensemble avec moi-même, avec vous, que l'est capable de crier, ou bon Dieu capable de montrer que même nous-mêmes, même lorsque nous vivons toutes ces déboires qui gagnent sur la terre, mais nous sommes still attachés à lui-même. Et c'est ça que même les anges ont décidé à plonger le regard sur l'évangile ça que nous recevons, qui libère nous, et qui fait que même lorsque nous n'avons pas joui de tout privilège, rebelle ça, Satan t'a joui, et qui fait le croire que tu as besoin plus, et qui fait le croire que bon Dieu n'a pas intérêt, parce que si bon Dieu t'a intérêt, il t'a balle plus. Et donc, qui fait le pas capable, qui fait que le pas capable de servir bon Dieu pour ça. Mais cependant, je vous dis, nous-mêmes, si vous voulez nous un spectacle, même aux anges, qui a gardé, même avec toute limitation ça a que nous gagnons, même avec tout déboire ça a que nous connaissons, mais nous still attachés à mon Dieu. Et ça, c'est un plus gros témoignage qui gagnait dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de la création, qui non seulement touchait les êtres terrestres, mais qui touchait aussi les êtres célestes. Et donc, bon Dieu, l'y planifier, l'y gagner un jour, que le fixer, pour que l'y mette le mal en échec pour ce qu'il s'agit de la création. Et le ça l'a adressé une fois pour tout, non seulement péché être célestiaux, péché être terrestre de commettre, et le ça l'a adressé problème non, une fois pour tout, c'est plein ça que bon Dieu t'a décidé dans sa sagesse. Mais cependant, on est capable d'un des mondes qui connaît mieux que bon Dieu et qui est capable de dire, bon Dieu, si je ne vais pas faire comme ça, je ne vais pas permettre que Jésus-Christ mourir. Mais c'est plein ça que bon Dieu lui-même t'a décidé bien avant la fondation du monde. Et bien avant la création même, et si vous voulez, des êtres célestes, et bon Dieu te connaît ça, parce que bon Dieu par contre grandit en connaissance, bon Dieu pas gagne de nouvelles informations, avant même que bon Dieu t'ait créé Satan, bon Dieu t'ait gagné de connaître que Jésus-Christ a pas mouru pour le péché. Et donc ça te fait partie du plan de Dieu, ça te fait partie du dessein de Dieu, ça te fait partie du décret de Dieu, et donc ça a été établi que Jésus-Christ a pas mouru pour le péché.
et que la mort Jésus-Christ a pas la victoire en nous. La mort Jésus-Christ a pas changé toute bagaille dans l'univers et dans tout le royaume de Dieu. Et c'est ça que Paul a dit, que son sagesse là, quand bon Dieu, son bagaille extraordinaire, parce que même les chefs de ce siècle, même autorité siècle là, ils pas de gens qui reconnaître ça, parce que si ils te connaissent ça, ils pas de gens crucifier le Seigneur de gloire. Paul qualifie ça de sagesse. Et donc, je dis, il y a un monde qui est capable de qualifier ça, et de un manque de sagesse de la part de Dieu. Donc, on capable de voir un monde qui connaît plus que bon Dieu. Merci en pile pour participation, non, pour toute question ça que nous t'ai posé. Moi, recevoir plus l'autre question que ça que moi dit là. Mais moi, quitter l'autre yo pour une prochaine fois. Je souhaitais que nous capables ensemble encore, pas oublier poser question yo depuis le lundi, mercredi, jeudi, en sorte que pour nous capables adresser yo na vendredi et monde qui besoin plus de détails. Ou capable aller sur channel YouTube non et ou capable gain plus de détails et ou capable aller sur page Résonant, www.résonant.org ou avoir un cours apologétique que ou capable suivre qui capable aider ou à connaître non seulement dans qui est sous quoi et pour qui ça ou quoi. Merci beaucoup et à très bientôt.